Absent du pays depuis plusieurs semaines pour des raisons d'études, Vivien Amos-Makagapé a marqué son grand retour au Gabon. À son arrivée sur la place de l'aéroport Léonba de Libreville, plusieurs jeunes, parmi lesquels ses collaborateurs, parents et amis, l'ont accueilli pour lui souhaiter non seulement bon retour, mais également le féliciter après la validation de son doctorat. Vivien Péa, c'est celui qui incarne la jeunesse responsable, c'est notre porte-parole auprès du distingué camarade, c'est celui qui donne la chance aux jeunes de s'autonomiser. Donc c'était nécessaire, primordial pour nous de lui montrer à quel point il nous a manqué. Son retour au pays marque une ère nouvelle pour le Parti démocratique gabonais, dont il est le coordonnateur de l'Union des jeunes. Certains commençaient à prédire ma mort politique. D'autres disaient que, ah oui, là il est parti, il ne revient plus, il a pris cette distance, c'est terminé. Alors qu'en réalité, j'étais allé monter une marche au-dessus. Parce que quand on représente la jeunesse gabonaise, on doit être un symbole et un modèle sur tous les plans. Vous savez qu'en arrivant là, on va mettre le turbo parce que tous ceux qui nous croyaient morts vont être surpris. Ce qui veut dire que là, l'aventure de 2016, elle démarre ici le samedi 13 février 2016 à la Vivien Amos-Makagapé intègre par cette occasion la grande famille des docteurs que compte le Gabon. C'est donc une nouvelle étape dans la vie du secrétaire général adjoint coordonnateur de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais qui va désormais consacrer tout son temps à sa formation politique pour la réélection de son candidat lors de l'élection présidentielle de cette année.